En fait, pour expliquer l'affaire, il y a un tournoi international qui est en ce moment sur le, enfin, sur ce jeu. Les qualifs sont terminés, hein. C'était au milieu de semaine dernière, là, enfin la semaine passée plutôt. Et donc moi j'ai participé pour voir comme ça si j'arrivais à quelque chose. Et j'ai réussi à me qualifier donc pour ce qu'ils disent la finale. Grosso modo c'est un 18 trous, il fallait être à moins 9, non moins 7 pardon, minimum pour pouvoir être qualifié. Donc j'avais fait moins 9, j'ai réussi. En même temps, il y avait moins de difficultés parce qu'au niveau des trous, c'était les trous tornades. Alors pour ceux qui connaissent ce jeu, vous savez ce que c'est. Grosso modo, il y a comme un aspirateur, si vous voulez. Si vous approchez la balle qui est juste à côté du trou, elle va être aspirée et c'est gagné. Donc il y avait quand même un petit bonus, quoi, pour réussir les coups. Mais bon, c'était pas facile, hein. Je me suis planté plein de fois. Et donc là, voilà, il y a la finale qui est donc de ce mercredi jusqu'au mercredi prochain. Et je me suis dit que j'allais le faire en live. Pour être rigolo, vous allez voir mon super skill. Je sens que ça va être catastrophique justement à le faire en live, quoi. Mon but, c'est de ne pas être premier, hein, parce que le premier, il a fait moins 29 sur les qualifs. C'est un japonais, donc autant dire, on oublie tout de suite. Mais ça serait pas mal que j'arrive au milieu. Et je pense qu'il y a tellement de japonais qui jouent que ça va être très difficile, quoi. D'ailleurs, tu as vu les images de gameplay de Dawn Eternal? Ouais, j'ai vu, mais j'ai pas vu tout le trailer. J'ai laissé ça un peu de côté, j'ai juste vu un peu et ça a l'air pas mal. Mais il faudrait que je revoie le trailer vraiment. Enfin, que je me pose dessus, quoi. Tout en intro, ouais. Ah ouais, c'est la première fois que j'en fais en live. J'avais juste montré une fois, je crois, sur une vidéo bilan, mais en fond, quoi. Voilà. Bah, c'est parti, hein. Tournoi international. J'y vais comme ça à l'arrache, hein, sans entraînement. Comme d'hab, quoi. Red Dead 2, ouais, j'ai vu, ça avait l'air pas mal, hein, franchement. Voilà, je suis qualifié pour la finale, hein, je vous mens pas. Donc, prix, participation. Ok, c'est des vêtements. Difficulté du parcours, c'est clair, je l'ai trouvé. Je l'ai pas trouvé évident. 15 heures avant clôture. Je regarde un peu hein, les infos. Alors je peux faire qu'une fois. Il y a 6725 participants. Ok. Voilà, bon, j'ai fait un petit perso là, à la con. Je voulais faire un perso qui se rapproche du personnage d'ailleurs, Senseiya, mais on peut pas faire un visage comme on voudrait, quoi. Alors j'ai pris alors hommage à MV, hein, Michel Leb. Ne m'oublie pas. Drapeau ultra dur. Attends, putain, il y a des trucs en haut. Donc 18 trous, tilon, trou normal, d'accord, miroir désactivé. Pourquoi trou drapeau ultra dur? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là, on y va. Allez. Ah oui, je l'avais vu ça le grappin. Ouais, ça a l'air très bon ça. Alors là, pour faire des combos, ça va être énorme, je pense. Alors déjà ça là. Est-ce que je suis bon? Ce qui compte, c'est que je tape au moins dans le rose, quoi. Tout ce qui compte. Bon, j'ai un petit mini lag. Enfin, j'ai un petit mini lag, mais ça va aller. Vu que je suis en train de capturer. Putain, ouais, là, il y a eu un chargement. Là. Ça ira. Vent faible, ça c'est cool, parce que j'ai toujours un peu de mal avec le vent sur ce jeu. Alors comment on affiche le chat? Alors là, je laisse les autres répondre, parce que je sais pas trop pour ça. Normalement c'est en haut à droite. Mais après je sais pas, si tu l'as caché, il y a peut-être... je sais pas comment on fait pour le faire réapparaître. Voilà, donc au début on choisit où on veut taper la balle. Putain, c'est la fête là, il y a des ballons partout. Alors oui, le jeu il est en 30 FPS hein, sur PS4 normal. Peu de honte d'ailleurs. Alors le drapeau est là-bas. Le vent il pousse quand même, hein, je trouve. Je sais pas si j'ai une grosse frappe. 14 P.
vais tenter ça. Bon, j'espère que je vais éviter les trous, quoi. Belle maîtrise. Ça va. Salut la petite pelle. Michel Lab japonais. Alors là, je sais pas. Ah, mais drapeau ultra dur, c'est à dire que ouais, c'est au bord de. Soit c'est proche de bunker ou des conneries comme de ce genre, quoi. Donc, je vais le mettre là, c'est un peu en dessous, je sais pas trop. On va essayer. Je vais faire un backspin. Oh, putain, je suis dans le rose, c'est bon. Joli coup. Bien, bien. Ok, je suis sur le green. Une chance de border. Attends, là c'est chiant. Je prends mon temps. Hein. Ça part à gauche. Je dirais là, quoi. Attends. Un truc comme ça, quoi. Yes. Non, non, c'est une exclue PS, enfin Sony, quoi. Donc c'est que sur console. Enfin, que sur console, que sur PS4, quoi, pour celui-là. Oh putain, c'est moche. Alors là, je ferais bien un effet droite-gauche pour qu'elle parte à droite. Je vais tenter ça. Elle tourne. C'est bon. Ouais, Mister MV il joue sur PS4, mais il a PS4 Pro lui. Donc du coup, c'est 60 FPS quoi. Là par contre, ça va être chiant. Parce que si je tape là, ça va aller dans l'herbe. Bon, faut que je tape un peu plus fort, mais là j'ai peur de faire une connerie. On va se tenter ça quand même. Ouais, c'est pas mal. Merde, non, non. Oh putain. Heureusement qu'on peut annuler. Bon, ça part bien, mais il y aura forcément un accident. Un par quatre. Attends, je vous lis. 30 FPS, RPMV avec les jeux. Avec quand même une bonne résolution. Bon, enfin, une résolution, c'est pas le framerate, hein. Ça n'a rien à voir. Alors là, je vais faire un tout droit. Et j'espère que le vent va pas être si fort que ça. Il va me le foutre juste. Attends, je vais faire comme ça. Je... Enfin, je sais pas ce que ça va donner, ça. On va voir. Bravo! Ah putain, pas le ref. Non, c'est bon. Alors. Je suis pas un pro, hein, je vous le dis que non. Il y a un accident qui arrivera, vous inquiétez pas, quoi. Ouais. Putain, ça a failli y être. Mais là, je sais pas où je vais atterrir. Ah, le vent, il était violent. Je vais être super loin, là, du trou. Ah. Bon, je vais essayer de le faire un chip, mais... Oh putain, j'ai de la chance. Oh, j'ai eu du cul là. C'est bon.
Ah, ça rentrait pas, ça, normalement. Très bien fait. Un par 3. Un par 3, alors ça, j'ai toujours du mal à le faire. Un all-in-one. Un albatros. Non, je crois que j'ai réussi celui d'après. C'est Eagle. Albatros. Si, remarque, si, j'ai fait un albatros. Mais avec une tornade, un truc comme ça, quoi. Putain, c'est de la merde là. Là, c'est de la merde là. Le bunker, il est super mal placé. C'est de la merde parce qu'en plus. Attends. Là, ça penche. Et donc, ça va aller à la flotte. Moi, j'aurais plus tendance à viser là, quoi. Tant pis, hein, je serais loin du drapeau. Pas faire très fort. Et un backspin. Et on va voir. Putain, ça part vachement à gauche, là. C'est quoi ces conneries? Ah bah d'accord. Alors là, ce qui est important à voir, c'est en bas à droite. Le coup que je vais faire va faire que 40-60% de la barre de force. Donc il va falloir que je bourrine comme un malade. Je peux changer d'ailleurs. Je pense pas. Je peux rien changer. Par contre, je peux mettre un P. Et attends. Ouais, enfin, faut que je fasse gaffe. C'est juste pour me sortir de cette merde. Oh, je suis dans le rouge. Dans. C'est pas grave. Oh putain, bah voilà. La catastrophe. Et ça, c'est. Ça fait mal. Quoi? Je recommence dans cette merde en plus? Bon, tant pis, on va faire comme ça là. Oh, je suis encore dans le. Oh putain! Ah, je vous l'avais dit, hein. Ça allait devenir la catastrophe à un moment donné. Ça, c'est tout moi, ça. Je fais des super trucs et sur un trou à la con. Et ça passera jamais. Mais putain, j'arrête pas de viser le truc rouge. Attends, mais je comprends pas les stats, là. 40%, là, ça va pas jusque-là. Hein. Bon, c'est pas grave. On dirait que ça monte. Alors. Ça part à gauche? Ça s'adoucit un peu là, donc je vais faire là. Putain, ça me paraît beaucoup quand même ce que j'ai mis. Mais ça monte à mort en plus. Oh, putain, mais j'ai même pas assez de force. C'est n'importe quoi. La pente grimpe. Elle penche à gauche. Petit effet. Voilà, plus 5. Donc c'est déjà mort. Hein. Vous voyez comment ça peut tourner vite. Hein. J'aime pas les par 3 en général. Super mal positionné quoi. Et là, c'était vraiment n'importe quoi là le truc. Elle maîtrise. C'est clair, l'accent est bien prononcé, quoi. Si je pouvais le mettre en un coup, je vais essayer de rattraper quand même. Mon objectif, finalement, ça va être d'avoir un score négatif, quoi. Déjà ça serait bien. Là, c'est mort, là, pour être au milieu, je pense. Je réfléchis quand même, parce que ça penche là-bas. Normalement, je vais faire un birdie. Hein. C'est vrai que l'accent est quand même. Attends, oui, ça descend. Après, je me dis qu'il y en a plein qui se sont plantés comme moi. Là, franchement, le par 3 là d'avant, il était vraiment dégueulasse quoi. Putain, comment je vais le passer ça? Alors là, non. Pas de risque. Hein. C'est pas trop fort. Hein.
Il s'enflamme parfois. Tenter un truc. Ça va le faire ou pas? Oui, ça marche quand même. Semirov, ça va, c'est pas dérangeant. C'est vrai que les drapeaux sont durs. Hein. La vache. Ça part un petit peu à gauche. Elle penche à gauche. Attends, ça va juste faire ça. Du coup, ça va continuer. Ouais, ça peut être comme ça. Là. Parce que ça continue quand même à gauche. Hein. Pour assurer, je vais faire. Ouais, je pense que là, ça va être bon. Encore sur le bord quand même. Voilà, on revient à zéro. Un par quatre. Attends. Je crois que c'est jouable en fait là. Dans le ruisseau là. La balle sera pas très profonde et on peut jouer. Par contre, faut taper comme un bourrin. Par contre, ici, c'est mort. Si la balle va là-dedans, c'est mort. Ici, ça, c'est jouable. Bref. On y va comme un branque. Putain, j'ai eu peur. Merci. C'est pas trop mal hein. Si je vais sur le green. J'aime bien son style aussi de frapper la balle. Je l'ai mis à. Quoi de... Oh merde. Putain, dommage. J'aurais dû foutre un backspin. On peut choisir son style de frappe, donc du coup là je l'ai mis à une main quoi. Elle penche à droite. D'habitude, ils choisissent le bon fer ou club. Par 3. Alors, fais voir cette merde. C'est où je vais tout perdre encore. Oh, regarde-moi ça. Mais putain, sans déconner. Et c'est pas le même. C'est quasi le même, quoi. Ah, quoique là, ça. Ça penche pas trop. Par contre, j'ai envie d'atterrir. Non, fais pas le con. Limite, j'ai envie d'atterrir loin. Ou alors, j'atterris là. Et je fais un chip. Mais avec le vent, je sais pas. Putain, ouais, le vent. Je tente pas le trou direct, hein. Là, je le sens pas, quoi. Voir, je fais un gauche-droite, droite-gauche. Voilà, je me tape le bunker, mais direct, quoi. Et si je tape au-delà, je roule dans l'eau, quoi. Non, c'est bon, on a fait assez de dégâts comme ça. Donc... Je vais tenter un autre truc. Putain merde, je suis pas tapé à... Quoi? Mais qu'est-ce qu'il a branlé? Mais pourquoi il a tapé à Barak, ce con? Putain, merde. Mais qu'est-ce qu'il a foutu? Mais comment il a fait? C'est le vent qui m'a poussé à ce point. Attends, mais c'est pas normal ça, attends. Bon, je vais taper là. Putain, j'en sais rien maintenant avec cette baraque à la con là.
Putain, j'ai tout fait parfait, j'ai pas tapé dans le rouge. Bon, je vais faire sans effet. Elle maîtrise. Ah non, mais il m'a fait de la merde là. C'est dommage, ouais, que. Oh. C'est dommage que j'ai pas pété un carreau. Vous avez pu voir ce que ça fait, quoi. Maintenant, j'ai pas le choix. Hein. Faut... Putain, je vais encore passer au-dessus. Je suis deg. Oh. J'ai tapé trop fort. Oh la vache. Elle penche à droite. Même ça, c'est pas évident. Voilà. Eh merde. Bon, au moins c'est amusant, quoi, de voir ça, quoi. Mais putain, c'est quoi ces... Attends, mais c'est quoi ce parcours? Attends, mais ils ont modélisé... Ils se sont fait chier, quand même. C'est pas mal quand même. Hein. Bref. Une camionnette là. Bon, faut viser où là? Ok, le drapeau est là-bas. Ce terrain, ce trou, il est immonde. Oh, je suis là. Ça part à gauche. Ouais, c'est mort. Finalement, celui-là, je peux pas le rejouer, quoi. Bon, bah je vais pas faire un score terrible, hein, finalement. À moins que je me rattrape comme un fou après. Mais c'est pas grave. Mais putain hein. Bon, je suis juste sur le sable. Ouais, ça va. Je tape un peu plus. Genre, triangle. Oh, dommage. Putain, c'est con, je faisais des trucs de fou là au début. Là, c'est mort. Salut Peter Parker. Oh, putain, des USA. Eh ben, quel honneur. Ça passe bien? Oui, j'imagine. Alors là, il y a un petit chargement parce qu'on charge les 8 prochains trous. 9 plutôt, pardon. Un par quatre. Bon allez, on se reprend. Mais putain, mais les trous sont de pire en pire. Regardez-moi ça. J'ai le droit d'aller là. Ouais ouais, j'ai le droit d'aller là. Par contre, où est le drapeau? Attends. Il est en face de moi là. On le voit pas, mais ouais, c'est là. Donc, si je vais là, je vais être emmerdé par les maisons. Si je fais un gauche-droite, ça passerait. Oh, je me fous dans la merde si je fais ça. Ouais, mais en même temps, là... Je vais pas taper à fond. Tu vois rien du chat, c'est ultra trouble. Comment ça?
On peut jouer un bois après avoir tiré le premier coup. Je crois que c'était interdit ça. De toute façon ça fout de la merde. Ah non. Je vais le mettre là. Quelle maîtrise! Bon, c'est un long putt. Pour le birdie. Putain, il est faisable, mais il est un peu chiant. Ça part à gauche. Je tente ça. Oh merde. Concentre-toi. Pourtant ça penchait bien au début. Le chat qui apparaît sur l'écran est trouble. Pas ton gameplay. Bah après t'es en 720p donc tu vois peut-être mal. Mais vaut mieux que tu vois le chat sur la fenêtre YouTube. Plutôt que sur la... plutôt que, enfin bref, sur la vidéo quoi. Oh, mais après c'est vrai que si tu veux peut-être voir Twitch aussi. Bravo. Merde, oh, c'est bon. Oh. Horrible. Oh putain, dans le rouge. Allez. Putain, cette chance. Pour l'égal. Eagle. Ah, ça serait beau que j'y arrive. La pente retombe. Mais là, c'est chaud. Alors, attends. Ok, ça va faire ça. Ensuite là ça s'arrête, ça reprend un peu. Ça s'arrête. Ça serait ça. J'ai envie de tenter ça. C'est en pente, ça remonte après. Faut foutre la force quand même. Hop. Putain non, c'est complètement pas du tout ça. Putain, va pas dans l'eau. Oh mais... chou. Je suis complètement chié, hein, mais bon, en même temps, c'est très difficile hein, à réussir ça. Putain, c'est vrai que j'étais dans le rough, j'ai oublié. Merde, c'est pas assez fort. Hop, triangle. Ça marche, Peter Parker, merci d'être passé. Bon apéro. Un par quatre. Ah salut Méroge. Tu viens peut-être d'arriver, je t'avais pas vu. Elle est très cool hein, comme jeu. Enfin faut aimer le golf déjà. C'est quand même pas facile hein. Celui qui connaît rien au golf, ça doit être quand même assez très dur. Oh non, non, non. Oui, merci. Pas de quoi, Peter Parker. Passe de bonnes fins de vacances. Profites-en.
Oh, ce drapeau de merde. Au bord, quoi, d'un green, quoi. Juste à côté d'un bunker. Non, mais c'est terrible. Et franchement, sur les qualifs, j'ai pas souvenir de ça, hein. Bon, on va passer un peu au-dessus du drapeau. Attends, comment je vais faire un super backspin? Comment ça marche déjà, ça? Est-ce qu'il faut faire bas haut? On va tenter un bas haut. Voyons, est-ce que ça marche? On remarque que ça serait beau, hein, putain. Ouais, mais là, ça n'a pas tapé sur le green. Non, ça n'a pas fait l'effet. Oh, putain. On dirait que ça descend, non? Oui, merci. Ça part à gauche? Ça part beaucoup à gauche en haut, ça c'est clair. Mais attends, au début... Ouais, non, c'est clair, ça va faire un truc comme ça. De toute façon, on va essayer, hein, mais... Mais c'est quoi ce missile? Merde, je peux pas me rater. Oh putain, direct. Même pas de rebond. C'est assez propre cette deuxième partie quand même. Je fais que départ quoi. Au moins... je vais fermer ma gueule parce que je sens que j'ai... ça a vite changé quoi. C'est le drapeau, ça? Non, c'est celui d'un autre. Remarque, est-ce que j'ai le droit d'aller sur le green et de taper un fer sur le green? En vrai, c'est interdit, mais dans ce jeu, tout est permis. Donc du coup... Oh, quoique, je suis bourriné. Le vent, il est contre moi, mais un peu sur la gauche. Ouais, avec un P, ça ira. Si ça rebondit sur le green, c'est pas mal. Putain. Et ça marche, à bientôt Fire Mario. Passez une bonne fin de soirée. Bon bah là... Ah oui, d'accord. Ah merde, la balle elle est un peu... sur la pente, donc elle va voler à droite. Faut que je tape encore un peu plus à gauche. Bravo. Putain, le vent, s'il te plaît, là, le vent. Pas fait son taf, le vent, là. Attention, 90%. Ah merde! Quel talent! Détends-toi! Bien joué! Pas mal du tout! Je ne pars! Bon, ça va. J'ai encore stable. Par contre, je suis à plus 2, j'aimerais bien être en dessous là. 1 par 3. Parce que là, je vais avoir un classement de merde, hein. Putain, je veux pas voir le résultat moi, mercredi prochain. Encore un par 3 de bien pourri. Putain, mais y'a que ça quoi. Regardez-moi ça. En fait, je suis perturbé depuis que j'ai tapé le bâtiment quoi. Bon, c'est pas grave, disons que je vais passer par-dessus. Ça va aller dans la flotte si je fais ça. Tant pis, j'irai dans le sable. Hein. Ah, mais le vent il va me pousser vachement là. Ça, elle est pas enfoncée. Me quitte pas la jauge des dieux. Ok, donc ça fait ça. Merde, merde, putain, c'est super fort ça. C'est très proche. C'était très fort. Inspire profondément. Allez, viens. La pente grimpe.
Pas mal du tout. Remarquable. Encore un port. Un port. Un port 4. Oh putain, c'est quoi ce terrain? Non mais attends, c'est vraiment... Attends, si je vais là... Je vois pas les limites. Et les petits plots aussi sont là. J'ai le droit d'aller là. Quand le drapeau est là. J'ai le droit d'aller là. Ah putain, attends, il y a de la flotte là. Putain, j'avais pas vu. Faut que j'aille là, mais je vais être dans le rough ou le sable. Attends, je serai le mieux positionné. Ah, putain, le vent. Bon, on va faire ça. On va viser ça. Et on va voir ce que ça fait, quoi. J'espère que le vent me pousse. D'accord. Alors là, je suis bien enfoncé, là. Joue un peu vite, hein. Alors ça c'est beau, ça. Évidemment que c'était voulu, quoi. Le rebond pourri. Bon, celui-là il est mérité. C'était prévu. Merci. Peut-être y arriver, hein, le score négatif. On y croit. Hein. Bon, là, je vois pas ce qui peut se passer. Hein. À part ça. Putain, il part où là? À gauche? Merde, ça part à gauche. Aïe, 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 y'a quoi à gauche? Oh putain. Bon, ça va, le rough. C'est pas. C'est pas de bunker. Il est où ce drapeau? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Elle maîtrise. Si, tu peux choisir tes clubs. Mais je suis pas assez pro pour changer... Enfin, quelquefois, je change pour donner plus de puissance ou autre, mais... Je sais qu'il y a des fers qui sont plus ou moins adaptés. Oh, putain. Oh là là, je suis sur le fairway donc normalement je saute au-dessus à l'aise. Sauf que c'est un bout de course, j'ai envie de faire ça quand même. Oh, c'est super fort, c'est super foiré. Putain, j'ai paniqué quoi. Oh merde. Bon, ça, je suis pas tombé. Je vois pas mon joueur là. Mais où, comment j'ai atterri là moi? D'accord, je suis devant les tribunes. Ok. Putain, par contre c'est génial, je vois rien. Putain, mais je voyais rien quoi. Ah, puis là je vais taper dans le truc, super. Voilà, je vais perdre énormément de coups. Parce que là c'est clair, je tape dans le mur. Je suis obligé. Non non. Putain, j'en sais rien. Remarque, je peux tenter hein, mais. Je pense pas qu'il la lève aussi haut. Faire full backspin. J'ai l'aérienne, ouais. Bon, je tape dedans, il me le dit. Hein.
tant pis, on va faire ça. Bon bah, c'est mort, hein. Mais c'est pas grave. On aura fait de jolis coups. Mais à ce point-là, putain! Putain, ils ont mieux. Putain, j'ai cru que j'allais faire un petit effet boomerang. Ça allait rentrer dedans direct. On dirait que ça descend, non? Allez, on arrête la casse. Putain, il m'a fait mal celui-là, plus 4. Alors là, je suis obligé de faire des... Albatros. Putain, mais... ignoble ce parcours. Quoi, j'ai touché un obstacle? Dis pas que j'ai tapé le muret qui est devant moi là. Faut pas déconner là. Ça va aller dans la flotte ça. Vraiment, les par 3 j'ai toujours un peu de mal hein. Mais je comprends pas, c'est quoi qui m'a ralenti là alors que ça devait atterrir dessus Super cool. Et là c'est trop fort quoi, c'est ça que j'ai pas compris ce qui s'est passé encore. Il joue à ma place. On en est là. Personne ne joue sur ces trous. Imagine les balles perdues, mais c'est clair. Pour finir, pour des 8, 1 par 4. Bon bah c'est pas grave, hein. Je ferai mieux la prochaine fois, mais ce serait bien qu'ils fassent des tournois sur des parcours plus amusants quoi. Alors je vais essayer un top spin, tiens. Normalement c'est ça. Ouais, merde, je sais pas si ça a marché. Super cool. Excellent. Ouais. Ah, je vais changer de club. Je vais taper presque à fond. Là. Merde. Ah putain, je suis vraiment de la merde là. Je suis enfoncé à mort, là je vais taper dedans, là je le sens. Oh, j'ai fait un droit, gauche-droite, ouais, j'y crois à l'effet. Attends, mais elle est où ma barre là? Ah ok. Merde. Oh, j'aurais pu finir là-dessus. Bon, bah la fin catastrophique. Mais bon, en général, c'était sympa quand même. Je pense pas que je serais premier avec ça, mais bon, je suis quand même curieux de savoir combien ont fait les gens, quoi. Parce que là, c'était pire que les qualifs, hein. Du coup, je suis en train de me dire qu'on a vraiment pas joué le même parcours, hein. Parce que je me serais rappelé là, de ces conneries, là, tous ces terrains complètement bousillés, quoi. Donc je verrai ça, quoi, mercredi. 6725, c'est quoi, ça? Du coup... C'est mon classement, c'est pas mon classement ça. Enfin, y a pas de classement encore, tout le monde n'a pas joué. Parce que c'est que ces points. Nouveau record!
Bon, en tout cas, ouais, j'ai réussi à battre mon record du ship. Ouais, je vous dirai. Je mettrai ça en commentaire sur... dans les commentaires YouTube, quoi. La rigueur. Voilà. Bon, bah, c'était sympa. Alors, je sais pas, je vais, on verra quoi, mais je pense que j'en ferai d'autres. Quand il y aura d'autres tournois, je ferai... je les ferai même pour les qualifs, à la rigueur. Voilà, des petites sessions comme ça, ça peut être sympa en live, je pense. Je vous dirai ce que vous en pensez dans les commentaires, quoi, ou là, en live, en direct. Mais c'est détendant, et puis j'espère m'améliorer un peu. Enfin, là, c'est vraiment, c'était... je sais pas si c'est possible d'avoir un parcours plus difficile. Mais bon, on s'est bien marré, quoi. Voilà, bon, bah, je vais m'arrêter là, donc, pour cette session. Hop. Et, bah, après, on va enchaîner sur Dead Space.